Coucou, me revoilà dans une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo un petit peu blabla et voilà, à tout de suite. Alors donc comme je vous disais dans ma petite intro, on va blablater ensemble. Donc oui, je me présente avec ma tête de dimanche parce que là je vous filme, on est le 16 septembre, j'ai une tête pas maquillée. Fatiguée, coiffée en mode n'importe quoi. Donc là, c'est ma coupe manga, mais qui est fait à l'arrache. Donc je m'excuse. Ma tenue de sport, oui, parce que je suis comme ça. Moi, je vais au sport et je vous filme après. Donc encore, je vous ai épargné la sueur qui coule et tout. Donc voilà. Donc l'idée de cette vidéo, c'est un peu de papoter avec vous, de vous proposer, proposer parce que j'ai quelque chose à vous proposer pour une future vidéo qui est pas prêt d'être tournée tout de suite parce que ça a quelque chose, d'être vu, de vous être proposé à regarder, pardon, pour vous bien tout de suite parce que c'est quelque chose qui va me prendre énormément de temps. Et donc ça sera, j'ai un petit projet, c'est une vidéo, un lookbook, mais un petit peu particulier. Mais ça, je vous laisserai découvrir quand ça sera en ligne. Pour le moment, c'est pas du tout tourné et c'est pas prêt d'être, c'est vraiment pas encore prêt parce que ça va être quelque chose qu'on va travailler ensemble. En fait, c'est l'idée, c'est c'est pas le terme exact. C'est que je vais vous proposer un style de musique, on va dire du rock, avec deux chansons ou deux groupes. Ça sera peut-être même plus simple parce que, par exemple, Nirvana et Eiffel ou Chaka Punk. Voilà, c'est des... Eiffel et Chaka Punk, ce sont des groupes de rock français. Nirvana, c'est américain. Je dis trois, mais ça peut être quatre. Parce que comme ça, deux français, deux américains. Rap français, rap américain. Voilà. Et je vais aller sur quatre styles. Parce que pour pas avoir non plus... Donc j'ai l'intention de du rock, du rap, de l'R&B. Et après, je sais pas. Peut-être quelque chose de romantique, voilà, un style un peu romantique. En romantique, moi, ma vision du romantique, c'est les chansons françaises parce que je comprends ce qu'elles disent. Après, effectivement, vous avez de très belles chansons américaines. Le problème, c'est que je suis une complètement nulle en anglais. Je parle un petit peu parce que j'ai fait des études quand même. Je ne suis pas complètement ignorante. Mais tout ce qui est en musique, je ne comprends jamais rien. À part Love, oui, enfin, voilà, c'est un peu de la base. Et voilà, donc ça sera pas sous cette vidéo-là que je vais vous faire la demande parce que pour le moment, je n'ai pas encore tout à fait mûri mon projet. Mais ça fait partie des vidéos à venir. Je pense qu'elle sera mise en ligne sur les coups de décembre, janvier, je ne sais pas. Parce que ça, sachant qu'il faut que j'étudie le look, vêtements, maquillage et coiffure. Donc si je vous donne un exemple tout bête, mais qu'on prend du Nirvana, bah, il faut que, ou du Chaka Punk, enfin peu importe, dans le style rock, il faut que j'ai une coiffure un peu rock, un maquillage un peu rock et une tenue un peu rock. Dans l'idée, c'est de faire avec ce que j'ai dans mes placards. Donc ça peut être assez drôle parce que bah, niveau rap, j'ai peut-être squatté des bijoux à ma soeur, à ma maman, à ma cousine, à droite à gauche. Parce que bah, moi, au niveau bijoux, j'ai plutôt du bijou romantique, un peu chic, mais pas rock. Donc ni rap. Voilà, donc ça peut être assez drôle. Après, c'est vrai que si j'achète des choses, ça serait des choses parce que j'avais envie de les acheter. Et ça ne sera pas spécialement pour la vidéo en me disant, bah ça, je ne m'en servirai jamais. J'achète que pour. Non. Si c'est acheté, c'est que j'en ai vraiment envie, que je m'en servirai. Et c'est vraiment dans un but de pas garder dans un placard, dans un... Enfin, voilà. C'est pas du tout le but. Donc ça, c'est pour fin d'année, début d'année prochaine. Plus proche... Donc j'ai des projets de vidéos d'Halloween. Donc si vous avez des envies de make-up, donc pas trop compliqué parce que je ne suis pas du tout une pro du make-up d'Halloween, mais j'ai deux trois petites choses dans mes de côté que je sais faire. J'ai déjà commencé à acheter des petits accessoires pour le thème d'Halloween qui me plaît, que de toute façon qui sera aussi recyclable parce que j'achète des choses qui sont que je n'aurais pas utilisées qu'une seule fois. Je trouve ça assez bête, sachant qu'en France, on sait très bien qu'on ne fait pas spécialement Halloween. Donc voilà, en projet, dans ce que j'aime, moi j'ai le Sugar Skull. Ça, j'ai déjà fait, donc je pense que je pourrais vous le faire, ça c'est sûr.
des make-up avec des cicatrices, des choses comme ça. Donc c'est un peu fun, hein. On m'a déjà dit que c'était quand même correct et que de loin, franchement, ça fait vrai. Donc j'espère que vous offrirez ça correct aussi. Donc ça, c'est vraiment les trucs qui me tiennent à cœur, qui vont prendre du temps à faire et que je vais faire petit à petit parce que, par exemple, je vais faire quelques make-up sur... Je ferai peut-être plus de vidéos du coup pour la veille d'Halloween, donc fin octobre, mais je ne sais pas. Je ne sais pas encore combien. Je préfère pas m'engager sur le nombre de vidéos parce que je ne pourrais pas forcément tenir ce rythme, sachant que c'est des vidéos que je vais vraiment faire sur mes week-ends. Parce que ça, faire un Sugar Scrubs en vrai, sans caméra, ça m'a, la dernière fois que je l'ai fait sur ma nièce, ça m'avait pris 2 heures pratiquement. Bon, après, ma petite nièce bougeait beaucoup. Elle papotait avec moi, elle papotait avec sa mère, donc c'est normal. Et là, ça va être un peu pareil, parce qu'au final, je vais papoter avec vous et me maquiller en même temps. Donc, voilà. Je ne suis pas la pro du Sugar Scrubs, je ne suis pas la pro de quoi que ce soit. Je préfère être claire pour pas que vous soyez déçus. Mais je trouve ça l'idée sympathique, sachant que j'ai vu 2 vidéos, par exemple, pour faire des zombies avec du make-up qu'on a à la maison aussi, hein. Parce que le Sugar Skull, j'ai investi dans quelques bricoles, mais qui m'ont pas coûté bien bien cher. Et ce qui veut aussi sous-entendre que vous pouvez le faire à la maison. Avec un petit peu de maquillage du cosmétique lambda, en fait. Après, j'ai vu sur Make-up Revolution 2-3 choses qui me plaisent beaucoup, justement pour le thème d'Halloween, donc que je vais peut-être me prendre. Du coup, vous verrez ça à ce moment-là. Vous pourrez découvrir les petites pépites d'Halloween spécial Halloween de Make-up Revolution, pardon. Qu'ils ont une petite collection sympa. Il y a 2-3 choses qui me fait de l'œil, qui me disent waouh, ça peut être super fun. Donc, ça, c'est pour les projets que j'avais envie de vous parler. Et. Après, niveau blabla, bah, à part que je reviens du sport, que j'ai une tête un petit peu fatiguée, bah, pas grand-chose au final. C'était du tout petit blabla. J'espère que si vous avez des idées, bah, même pour les musiques, hein, vous pouvez commencer à me dire, après moi je verrai, je ferai le tri, parce que des choses, des thèmes, des styles de musique plutôt, parce que les musiques, comme je vous dis, moi je ferai avec ce que j'ai à la maison, ce que je peux trouver facilement, parce que si vous me dites des chansons que je trouve pas, ça serait dommage. Mais vraiment des styles que j'aurais pas forcément pensé, que j'ai peut-être de quoi faire à la maison. Hein. À part comment dire, le disco, je ne suis pas sûre de pouvoir fournir de la paillette et du pas de delf. Ça, par contre, je n'ai pas. Ça, j'en suis sûre. Mais il y a peut-être des styles que je pense pas et que je peux faire quelque chose de sympathique avec ce que j'ai à la maison. N'hésitez pas à me laisser ça en commentaire. Moi, je vous fais des millions de bisous. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Je pense que les vidéos futures peuvent être super sympa et assez fun à voir. Surtout les vidéos d'Halloween parce que franchement, je pense que je vais bien m'amuser à les faire pour avoir un super rendu et vous faire plaisir parce que peut-être que plusieurs personnes auront envie de fêter entre guillemets Halloween. Donc voilà. Plein de bisous. Bye bye!